L'UNICEF parle d'une guerre contre les enfants. Il y a entre-temps plus de 7 700 enfants palestiniens massacrés par Israël. Quand en Ukraine ça se passait, vous parliez de génocide. Aujourd'hui, une série d'entre vous justifie Israël. Mais je ne vais pas vous répondre parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas de divergence politique. Il y a une différence d'humanité, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Israël, à mon avis, soit ils n'entendent pas ce que disent les dirigeants israéliens, parce que les dirigeants israéliens eux-mêmes disent que ceci est une guerre contre toute la population à Gaza. Ils veulent les chasser. 2 millions de Gazaouites doivent dégager de Gaza. Et vous, vous applaudissez. Bravo, bravo. J'espère qu'un soir, vous arriveriez encore à vous regarder dans le miroir sans honte sur votre visage. Mais aujourd'hui, l'Union européenne reste complice parce qu'elle reste associée à Israël par un accord d'association. Elle continue de faire passer des armes à Israël, des armes qui ensuite, effectivement, tueront des innocents à Gaza. Arrêtons cette complicité !